إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الطيبة الخيرة النيرة أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يصلحنا ويصلح أولادنا، وأن يرحمنا ويرحم والدينا ومن علمنا وأجدادنا، وأن يجعلنا من أهل الجنة إنه سميع مجيب. تكلمنا خلال الخطبتين السابقتين عن السفر، واليوم أيها الإخوة نتكلم عن سفر آخر. كثير من الناس يسافرون هذه الأيام لعطلة الصيف، ولكن بيننا اليوم أناس اختارهم الله عز وجل كي يسافروا سفرا لزيارة بيت الله الحرام. معنا إخوة ربما وأخوات وفقهم الله عز وجل وكتب الله عز وجل لهم ولهن أن يحجوا بيت الله عز وجل، فنسأل سبحانه وتعالى أن يقبل من كل حاج أو من كل أخ وأخت قام بهذا الركن، وأن يوفق من سيحج هذا العام، وأن يوفق من لم يحج كي يحج إن شاء الله. الهدف من الحج أيها الإخوة، لأن كثير من الناس اليوم لهم أهداف كثيرة في الحج، والهدف الأسمى والغاية الكبرى من الحج أيها الأحبة أن تعود من الحج بحج مبرور، أن تعود من هذا السفر بعمل متقبل مبرور. زكون بارلي لي سومين ديرنيير sur le voyage, sur les vacances. Mais parmi nous, aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui vont effectivement bientôt voyager. Mais c'est un voyage qui est un petit peu particulier. C'est un voyage vers le pèlerinage. Un voyage pour répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un appel qui est un choix et une élection par Allah azza wa jal. Il t'a choisi parmi des milliers de personnes pour que tu puisses voyager cet été-là et partir accomplir le pèlerinage. Et ça en soi, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla, une ni'ma min Allah Azza wa Jalla. Et c'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jalla donne à qui il veut. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jalla d'accepter le pèlerinage de nos frères et nos sœurs qui ont déjà accompli cette Sorokin, et d'accepter ceux qui vont partir bientôt pour l'accomplir, et de donner la chance à ceux et à celles qui n'ont pas encore été pour accomplir ce voyage et ce pèlerinage. Parce que parmi nous, il y en a qui ont cette intention, il y en a qui veulent partir, mais qaddarallahu ma sha'a fa'ala. Soit c'est les moyens, soit ils n'ont pas la santé, soit ils sont malades, ils ne peuvent pas partir, ou bien d'autres qui sont partis, qui sont sous
la terre aujourd'hui, rahimahullah, et qui avaient l'intention de partir, mais ils n'ont pas pu. Et le but ultime, et le meilleur but et objectif du pèlerinage à Yualikhwa, c'est que tu reviennes là-bas avec un pèlerinage accepté. Et ça, c'est le plus important. Le hadaf min al-hajj à Yualikhwa, ليس فقط هو السفر والتعب ولكن الهدف ان تعود باذن الله بحج مبرور. Donc l'objectif et le but c'est que tu reviennes après le hajj avec un hajj accepté. والحج المبرور كما بين النبي عليه الصلاه والسلام الحج المبرور ما هو؟ هو الحج الذي ليس فيه ذنوب وليس فيه معصية وليس فيه إثم وليس فيه سوء خلق وليس فيه بدعة. Le pèlerinage mabrour, le hajj mabrour, parce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا رب اجعلنا من أهل الجنة. ليس له جزاء إلا الجنة. En fait, Ali sallallahu alayhi wa sallam dit que le hajj mabrour, la récompense de le hajj mabrour, c'est le paradis. Ça veut dire, c'est sans aucune discussion, c'est le paradis, le hajj mabrour. Mais le problème aujourd'hui, qui peut avoir ce hajj mabrour? Qui peut accomplir ce hajj mabrour? Les savants ont dit, et ce n'est pas un hadith, donc les savants ont dit que le hajj mabrour, c'est quoi? Le hajj mabrour, c'est que tu passes cette période du pèlerinage sans aucun dhanb, sans aucune ma'asiyya, aucune désobéissance à Allah Azza wa Jalla, aucun péché, aucune bid'a. Et c'est pourquoi je dis aux frères et aux sœurs qui vont partir, attention aux bid'a, parce qu'il y a beaucoup de bid'a qui se font là-bas pendant le pèlerinage. Et le problème, c'est que quand tu fais le bid'a, eh bien ton hajj, tu ne vas pas gagner ce hajj mabrour. Man ikhwa, يعني من ما يهمه هو السفر. كتقول له واش تعلمت المناسك تاع الحج يقول لك ولا غادي يقولوا لنا. Parce qu'il y en a qui veulent partir, leur seul souci, eh bien c'est l'avion. Est-ce que c'est direct ou ce n'est pas direct? Est-ce qu'on va passer par Médine ou par la Mecque? Est-ce qu'il y a un bon repas dans l'avion? Est-ce qu'il y a un bon hôtel? Et quand tu lui poses la question sur les rites et sur le menace de l'Hajj, il te dit, mais ils vont nous le dire là-bas. La ya ikhwan, Allah Azza wa Jal yu'bad bil ilm. Allah Azza wa Jal, il faut l'adorer avec ta science, il faut apprendre. Avant de partir, cherche, lis. Comme ça, tu vas éviter le bid'ah. Comme ça, tu vas éviter les dhunoub. Comme ça, tu vas gagner bi'idnillah ton Hajj. D'éviter les bagarres, d'éviter les mauvaises fréquentations, les mauvaises paroles. Parce que pour ceux qui ont déjà été, vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui vont partir, vous allez voir comment ça se passe. Et donc il faut être armé de patience. يعني أن تتسلح بالصبر إذا لم يكن عندك صبر يعني تضيع حجك بسهولة وقد يضيع حجك في المطار. Et tu risques de perdre ton pèlerinage même avant de partir. Des bagarres à Mina, des bagarres pendant Arafat, des jeunes, on a vu des personnes, leur seul souci c'est de prendre des photos, de faire des Snapchats, de faire des selfies sur la montagne de Arafat, sur le mont de Arafat, pendant les prières. Les gens sont en train de faire tawaf et lui il est en train de prendre des selfies et d'envoyer des messages et d'envoyer des photos en état de pèlerinage. Et ça n'est tout, oui, il va être soi. L'instant fait, il y a des gens qui ont fait, oui, il va être soi. 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 Oui, il faut faire attention. Allah, j'ai dit vous, frère. Faites attention. Le téléphone, il n'est pas fait pour ça. Des photos, d'accord, mais bon, des photos comme ça, tu perds ta waf, tu perds le wukuf à Arafat, tu perds le safa ou le marwa, pour prendre des photos, pour faire des selfies. Wallah, yakhman karita. Si tu connais karita, je vais vous dire pourquoi
je ne vais pas dire quelle semaine, mais cette année-là, je ne vais pas dire quelle semaine, comme ça la personne va comprendre toute seule. Il y avait une janaza. Il y avait une janaza ici. On a fait la prière solennelle. Il y a quelqu'un qui a filmé une janaza, il l'a passé sur Internet. Il l'a passé sur Snapchat. Il a snappé une janaza, subhanallah. Elle moutille ta'ib insan. Insan yta'ib, insan yta'ib, ma'al meyit. L'humano qui s'en vont le janaïs. L'insan yta'ib, nous fait au moins qu'il s'en vont. On est en train d'enterrer des gens, des frères et des sœurs, tu l'enterres. Et l'autre, il prend sa faute, son téléphone, il est en train de filmer l'enterrement. Ils sont morts volontairement. On était présents, on a vu des gens qui sont en train de filmer l'enterrement. Imagine le jour où tu seras, toi tu seras dans ce cercueil. Sauf yom tkoun anta balak sandor. Yom tkoun anta fal qabr. Mada sataf'al. Alors, essayez d'éviter ces choses-là. D'éviter ces bid'ahs, d'éviter ces erreurs pour ne pas perdre son hajj. An yamur al hajj, bisalam ou an yakoun al hajj. Hajj, yani, mabrour bi'idila, wa maghboul, inshallah, pour que ton pèlerinage soit accepté. Là, il a dit, j'ai cité ce problème de téléphone, mais parce que c'est énorme. Pendant le Jumu'ah, j'ai appris que même pendant le Jumu'ah, des frères et des sœurs qui répondent au téléphone. L'imam Yartoum. L'imam Yartoum, les uns qui t'écrivent le hadith. Son seul souci, son premier souci, c'est d'enregistrer, c'est de prendre des photos, de prendre des... Après, il va courir derrière les imams pour prendre une photo avec tel imam, ou prendre une photo avec tel derrière, ou prendre une photo avec tel imam. L'un t'enfa'a qu'à soua, ça y'enfa'a qu'à imanou. سينفعك طوافك ببيت الله سينفعك صلاتك بالمسجد النبوي ستنفعك صلاتك بالحرم المكي ستنفعك صلاتك بيبو ستنفعك ينفعك بكاؤك ce sont tes rak'at que tu vas faire qui vont t'aider c'est ta prière dans la mosquée qui va t'aider c'est ton tawaf autour de Kaaba qui va t'aider C'est ton sa'i en tant que Safa al-Marwa qui va t'aider. Ce sont tes larmes, le jour où tu vas pleurer, tes péchés, tes douleurs, pour demander à Allah Azza wa Jal de te les pardonner. Alors les frères et les sœurs qui vont partir, Inch'Allah, au pèlerinage, soyez attentifs à ces choses-là. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps dans les magasins. Ne perdez pas votre temps dans, je ne sais pas, Ben Daoud, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ne perdez pas votre temps à aller acheter des cadeaux, aller acheter. Tout se trouve ici. Vous savez, tout ce qui est là-bas, il se trouve à Barbès. Et vous avez des gens qui vont aller, qui perdent leur temps, qui perdent ils perdent salat. As-salat, ils perdent salat, le fard. F'mekka, ils restent dans les magasins. Ils prennent l'aswaq, ils prennent salat. Ils prennent le ziyarat, ils prennent salat. Ils vont faire des visites. قال لي يمشي الغار غار حراء ولا غار ثورة إن بير صلاة لا يا إخوان فوفر لو سونس دي بريوريتي كل عندك يعني الإنسان يعرف شنو هو الأهم والمهم واش تمشي دير زيارة وتضيع صلاة الظهر أو تضيع صلاة العصر tu vas faire une ziyara et tu perds tu rates la prière au groupe derrière l'imam au pire في الكعبة تضيع طواف alors faites attention إخوة اللي غادي يمشيو إن شاء الله طوفوا ببيت الله عز وجل أكثر من الطواف أكثر من الطواف سبعة أشواط ركعتين سبعة أشواط ركعتين سبعة أشواط طوف ما شاء لك طوف يعني ما استطعت فين الطواف باسكو سي لا سول أدوراسيون كو تو نو بو فير كو لا العبادة الوحيدة التي لا تستطيع أن تقوم بها في مكان آخر وهي الطواف أنت طوف ف يعني طوف ما استطعت اي arrêtez le téléphone et arrêtez le et éloignez-vous un petit peu des gants parce que on a vu des choses je suis en train de vous dire des conseils de pères des conseils de frères on a vu des groupes des jeunes qui vont ensemble et ils passent des soirées à rigoler dans l'hôtel à l'hôtel des soirées à rigoler ensemble Des sorties, ils vont faire des visites ensemble, ils laissent après la prière. Là, choisis, à partir de maintenant, choisis la fréquentation que tu vas avoir là-bas. Mets-toi d'accord avec un frère. Mets-toi d'accord avec un frère et tu lui dis, Inch'Allah, on va faire le manasik comme il faut.
Inch'Allah, on va essayer de venir avec un hajj maqboul. Inch'Allah, on va essayer d'éviter le bid'ah. Hakda bach tarja' Inch'Allah. Wa anta, yani munqim min dhunub, pour que tu reviennes laver de tes péchés, Inch'Allah. Idan al-hajj al-mabrur, ayyuha al-ikhwa, yaqulu al-ulama, al-hajj al-mabrur, lahu arba'atu arkan. Les savants, jazahumullahu khayran, ils ont dit que pour avoir un hajj mabrur, il y a quatre piliers. Quatre piliers à observer, quatre piliers à pratiquer. Arba'at arkan. Al-ruknu al-awwal, wa huwa islahu al-niyya. Innama al-a'malu bin-niyyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Islah al-niyya. Le premier ruknu, le premier pilier de ce hajj mabrur, c'est que tu aies une bonne intention. Limada tahuj. Pourquoi tu vas au pèlerinage? Pourquoi tu vas payer ton argent pour aller au pèlerinage? Pourquoi tu veux aller faire ce hajj? Limada tulid an tahuj. Hadi al-oula, an-niyya. Al-amr al-thani, an-nafaqatu at-tayyiba. Tu vas avec de l'argent halal. Tu mshi lil-hajj bil-mal halal. Tu pars avec de l'argent licite, de l'argent propre. والركن الثالث اداء المناسك لرد الحج المناسك تلي في كوم الفو سون بدعه سون زيرور سون ريان والشرط الرابع التخلق بالاخلاق الحسنه قبل الحج واثناء الحج وبعد الحج le bon comportement avant le pèlerinage avant que tu arrives là-bas pendant le pèlerinage et après le pèlerinage. Et faites attention, Yohaler. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit les cœurs. Et vous avez pas mal de personnes, subhanallah, qui vont jusqu'à là-bas, ils ne peuvent même pas faire l'hajj. Il y a deux ans, je vous ai dit l'histoire de cette dame qui avait perdu la vue quand elle est arrivée à Mecca. Elle a perdu la vue. Et c'est une histoire authentique. قصة حقيقية تقسم أنه كلما نظرت إلى الكعبة ذهب بصرها لم تستطع أن تنظر إلى الكعبة ألا قابل فوا الكعبة à chaque fois elle se dirige vers الكعبة elle ne peut plus elle se dirige dans l'autre sens elle arrive à elle peut voir elle peut regarder elle se dirige vers الكعبة elle ne voit rien هذه أمور تقع أيها الإخوة تقع alors il faut faire très attention il faut avoir une bonne intention. Les gens qui sont partis ou quand il est arrivé là-bas, subhanallah, Allah Azza wa Jalla, il dit que non, il n'y a pas de hajj, il n'y a pas de bi'arafat, il n'y a pas de chose. Et juste pour revenir à cette dame qui avait perdu la vie, parce que c'est elle, elle a demandé le repentir et elle lui a posé la question pourquoi, qu'est-ce que tu. En fait, et quand ils ont cherché, qu'est-ce qu'elle leur disait, elle travaillait à l'hôpital, dans un hôpital, et puis qu'est-ce qu'elle faisait, c'était dans une maternité, et elle changeait les bébés. Voilà. كتغير الولاد هذا باغي ولادك تاخذ مني يدير واحد اخر تغيره انظروا ايها الاخوه عند انتبه فو فيغ اتونسيون فو فيغ اتونسيون اي بيان سور دون نوتر كوتي vous avez des gens il y avait un homme مقعد un homme qui pouvait pas qui avait qui comment on appelle ça une chaise roulante il était handicapé il pouvait pas se tenir debout il avait tous les médecins et à la fin il a dit à ses enfants je vais l'opérer je vais l'opérer Il est parti au Lama. Fawakafa yabki. Kala ya Rabbi. Ya Rabbi Ulin al Akum. Ya Allah, je veux être comme tout le monde, me lever pour pouvoir marcher. Wallahi al-Adim ayyuha al-Ikhwa. Qam wa masha ala rijlihi. Had Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni toi ni moi. Allah azza wa jalla qadir. C'est pourquoi je vous dis ayyuha al-Ikhwa, ne perdez jamais l'espoir. إذا ما يفقدش الأمل كنت مريض أو لا مديون أو لا عندك مشاكل لا تيأس من روح الله لا تيأس من مغفرة الله لا تيأس من رحمة الله اسأل الله عز وجل الله عز وجل غفار ستير يستر الذنوب ويغفر سبحانه وتعالى إيتو باردون ويشفي الأمراض يشفي الأمراض vous avez des exemples Les gens qui sont malades, avec du'a, alhamdulillah, ils sont en bonne santé maintenant. Sauf si c'est l'heure de la mort arrive, on est obligé de, sont obligés de partir. فَحَوْلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةَ أَنِّيَّ صَالِحَةَ أَنْ تَكُونَ نِيَّتُكَ صَالِحَةَ أَنْ تَتَخَلَّقْ بِالْأَخْلَاقِ الْأَحْسَنَ حَسَنَةً وَأَنْ تَكُونَ نَفَقَتُكَ طَيِّبَةً وَأَنْ تَقُومَ بِالْمَنَاسِكِ Donc, la bonne intention,
faire le manasik, avoir des bons comportements et le nafaqa al-halal il-mal al-halal. النيه ايها الاخوه لا لا اول نقطه قلنا اصلاح النيه كثير من الناس لما كتسولوا تقولوا علاش غتحج اي حاجه فيهم plusieurs personnes plusieurs tu lui poses la question pourquoi tu vas au pèlerinage il est incapable de répondre. Il y en a qui partent au pèlerinage parce que son voisin est parti au hajj. Il y en a qui partent au hajj parce qu'il veut avoir le label ou bien le entre guillemets le nom de hajj parce qu'il veut que les gens l'appellent hajj. Il y en a qui veulent parce qu'ils ils emmènent les gens au pèlerinage, et c'est un travail, et pas un travail, il va faire le hajj pour gagner de l'argent. Fais attention, quand tu vas au pèlerinage, quand tu vas au hajj, fais-le pour trois choses. Trois choses, akhtib bien, inshallah. Fais ton hajj, là, pour la miroir, basouh niya, inshallah, tlatat omour. Trois choses, il faut les noter, il faut s'en rappeler, trois choses pour avoir une bonne intention. Pourquoi je vais au pèlerinage? Les mains là, النقطة الأولى أحج من أجل أن أكمل أركان ديني. هذه النقطة الأولى. Je fais le pèlerinage pour accomplir les piliers de l'islam. الحمد لله تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحمد لله تصلون. الحمد لله نصوم. الحمد لله تزكون. ابقى الحج. فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى تقول أنا غادي نمشي إن شاء الله الحج باش نكمل الأركان ديال الإسلام. Je vais au pèlerinage pour accomplir إن شاء الله les 5 piliers de l'islam. Ça c'est la première intention. الأمر الثاني أو النية الثانية أحج من أجل أن يغفر الله لي ذنوبي. Je vais au pèlerinage pour que Allah سبحانه وتعالى me pardonne mes péchés. Ça c'est le deuxième. Et le troisième أحج لأكتب من أهل الجنة. Dis-le à tes belles comme un pensez à ça. Je fais le hajj pour être parmi les gens du paradis. Parce que le prophète al-Sallam a dit Al-Hajj al-Mabrur, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Al-Hajj al-Mabrur, jaza ou al-Jannah. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, an yaqbala min ikhwanina. Wa an yuwaffiqa man lam yahujj ila an yahujj, inshallah. Wa an yaqbala a'malana wa qala min al-ikhwa. طلب لي خوم شي تقدم ان شاء الله شكون من فريق دابا نسيت بور لي بيغي دو لا بلاص ان شاء الله سكي دي لا كيسيون دو جو ديغا جزاكم الله كل خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني يعني نتكلم عن رحمة الله عز وجل وعن مغفرة الله عز وجل وعن قدرة الله عز وجل وهو الشافي وهو الذي يشفي سبحانه وتعالى. يا دي فخير كي سون مالادي كو فو دوموندي إن شاء الله دو لور فير دي دعاء. Peut-être parmi nous il y a un enfant, parmi nous il y a une personne âgée dont l'invocation est exaucée. Il y a une sœur qui nettoie la mosquée parce qu'elle a fait une opération chirurgicale. Une sœur qui a un cancer. Le cancer c'est une maladie. هذا السرطان مرض أصاب الأمة وأصاب المجتمع وأصاب العالم كله. Cette maladie du cancer a atteint plusieurs personnes dans le monde, mais Allah Azza wa Jalla est Shafi, pas Nasan. Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, qadir ala kulli shay. Combien de personnes qui ont des cancers, ils sont guéris, alhamdulillah. Fa kam min maridin bi saratan, shufiya bi idnillah Azza wa Jalla. Insan, yatlab Allah subhanahu wa ta'ala, kay yashfiya, wa yad'u Allah Azza wa Jalla bi layl. Et notre sœur, pareil, donc une tumeur dans le cerveau, elle s'est fait opérer, elle est dans l'histoire avancée. Allah Azza wa Jalla, d'aïou ma'a, inshallah. Et ce qui m'a fait plaisir encore plus, c'est qu'en rentrant, il y a un frère, sa femme est malade, elle est à l'hôpital, elle a le cancer, et le frère Miskin, il ramène une enveloppe, et à l'intérieur de l'enveloppe, je pense, il y avait plus de 2000 euros, 2300 euros, il demande à Allah Azza wa Jalla de guérir, il vous demande de lui faire des doigts pour sa femme, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse. Subhanallah, da'ou amradakum bis sadaqat. الصدقة أيها الإخوة الصدقة يعني الإنسان يشفي بها الله عز وجل يشفي بها الأمراض. اللهم اشف أمراض المسلمين. اللهم تب علينا توبة تصديق. وما تنسوش يا إخوان المسجد الله يجزيكم خير. نوبلي با دوني بور مسلم سي لي فاكونس إن شاء الله إي سيي دوني سا في بارتي أوسي فيتكم سي سا
ça fait partie des vacances essayées de donner pour élargir la mosquée, pour autoriser à nos frères, donner la possibilité à nos frères de faire la prière. Wa aqul amra akhar kadhalik fa yani ana sa'usafir bi idillah li ziyarat alwalida fa astawdi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu wa nas'alullah azza wa jalla an yajma'ana fi sa'ati khair. Donc je dis aux frères que je partirai en voyage inchallah rendre visite à ma mère. Tout Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rassemble au paradis inchallah. Faites-nous des du'a et tout Allah azza wa jalla an yu'id kull musafir wa an yarudda kull gha'ib. اللهم اغفر ذنوبنا وسعيوبنا وتول امرنا وارحم ضعفنا. وقبل ان اختم ان شاء الله une bonne nouvelle, le dimanche prochain, ce dimanche là, entre Ad-Dor, après Ad-Dor, vous êtes tous invité bi-idnillah à la cérémonie, parce que le séminaire qu'il y a eu à la mosquée, c'est pendant tout le mois de juillet, alhamdoulilah, ça y est, le séminaire est terminé. Il y aura inchallah la distribution des prix. Vous êtes tous invités inchallah à partir du 11, venez bi-idnillah, bas tchakou avec l'oubidat al-faraha dialom ou tchakou l'aulad at nataïj dialom fa jazakoum allahu kulla khair allahu akhfir dhunubana wa astaghfirubana wa tawla amrana wa sallilahum wa sallim wa baliku an'am ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima subhanallah bi-karbi'izzati amin sifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.